Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, présentation encore d'un biopic, je dis encore parce que je vous ai présenté celui de Bob Marley il y a quelques mois. Cette fois-ci, il s'agit de Back to Black, donc le biopic sur Amy Winehouse. Donc un film qui est sorti cette année, qui a beaucoup divisé, comme tous les biopics de manière générale. Moi, j'ai vraiment envie de le découvrir. J'aime beaucoup cette chanteuse, même si elle a eu une carrière assez courte. Alors, Back to Black, je crois que c'était le titre de son deuxième album, et le dernier pour le coup, parce qu'elle a sorti que deux albums. Alors, ce film est réalisé par Sam Taylor Johnson, qui avait réalisé 50 nuances degrés. On retrouve au casting Marissa Abella, qui n'a pas fait grand-chose au cinéma. Il y a Jack O'Connell, qu'on avait pu voir dans 300, je crois, dans Ferrari, et qui sera dans le film 28 ans plus tard, qui sortira, je pense, l'année prochaine. Alors déjà, si vous avez vu ce film, bah, dites-le moi dans les commentaires. Donc on a ici un steelbook avec la version quelques-lettres HD et Blu-ray, donc c'est distribué par Studio Canal. Steelbook que j'ai acheté chez Ciné Story, hein, qui permettait d'avoir 10% de réduction sur la préco. Donc avant de déballer, on va regarder le contenu. Donc on a le droit sur la version 4K Ultra HD et Blu-ray à du Dolby Atmos True HD pour la version anglaise et française. Donc là ça c'est top parce que les films comme ça musicaux, c'est vrai qu'il y a Purple Rain aussi que je vous ai présenté il y a pas longtemps. Quand on a des bonnes pistes son, c'est toujours sympa pour les parties musicales. Au niveau des bonus, on a un making of, on a filmé Amy. Donc là, c'est un documentaire sur le tournage. Le son de Back to Black, les tatouages, l'arène du countdown. Donc voilà pour les bonus. Et vous avez quelques photos du film à l'arrière. Allez, je déballe cette édition. Voilà, il est déballé. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a un petit fourreau qui permet d'intégrer le steelbook. Et on se retrouve par contre, du coup, enfin par contre, c'est pas forcément négatif, mais on a un steelbook complètement épuré. Juste une photo de la chanteuse, et avec un steelbook qui est de finition glossy, et qui est plutôt joli. Donc là, c'est vraiment épuré, on a juste la chanteuse, donc c'est plutôt pas mal. Parce que toutes les indications étaient ici, hein, le titre en tout cas était sur le fourreau. Voilà pour la face avant. Sur la tranche, vous avez le titre, avec le logo Studio Canal en haut. Et à l'arrière, donc là, pas grand-chose, hein, c'est des lumières, des flashs, je ne sais quoi. Toujours de finition glossy, il est impeccable. Par contre, il doit peut-être y avoir une petite continuité, on regardera ça à la fin. À l'intérieur, on a droit à deux disques hein, qui ont l'air identiques. Vous avez juste les indications Blu-ray et Ultra HD pour les différencier. Voilà l'artwork interne. Et le steelbook à plat, effectivement, alors ouais, c'est pas forcément une continuité, mais en tout cas, ça se prolonge plutôt bien. Donc steelbook simple, rien de fou, mais plutôt chouette avec cette finition glossy qui met en valeur toutes les lumières et les couleurs. Donc voilà pour cette présentation rapide de ce steelbook de Back to Black, hein, donc le biopic sur Amy Winehouse. Bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du film si vous l'avez vu, hein, si vous êtes allé le voir au cinéma, ce que vous pensez de ce steelbook. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation et on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.